Le rap de loin et progrès. Je m'occupe de ceux qui connaissent, ceux qui sont pour je les blesse. Vénère comme les négro-nigres. Plus de son zèbre, tu les vois, tu les sauras clair comme les chiens, nous on tourne de tes sons. Mais sont tes coups, pas derrière, pas là. Je m'occupe de ces rappeurs, j'ai du cramponade. Lison, tu rap faux. J'suis dans le vrai, t'es dans le faux. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. On interview de rappeur, on est avec Serkov. Alors salut à toi. Ouais, salut à tous. Déjà pour commencer, tu peux te présenter. Écoutez, moi c'est Serkov, hein, rappeur de trap dans 7-8 et puis du 45 à Orléans, tu vois. On est là, donc voilà, j'ai un rappeur de 19 ans. Voilà, je fais du rap, ça fait à peu près 2 ans. Puis je suis à fond dedans, et puis voilà. Ok, alors pour commencer, déjà tu peux parler de tes feats. T'en as fait un avec Lossa par exemple, si tu veux en parler. Ouais, Lossa. Bon, Lossa c'est un gars sûr à moi, donc de Villeneuve-la-Garenne dans le F2. Donc vas-y, on est dans le même lycée et tout, donc on a décidé de faire un feat, tout ça, on s'est bien entendu avec lui. Donc voilà, ce feat là, ça a été du lourd. Je sais pas si vous avez vu le clip, en tout cas, c'est. Voilà quoi. C'est un de mes meilleurs feats que j'ai fait pour moi. Ok, et t'en as fait d'autres des feats? De mémoire comme ça. Ouais, j'en ai fait, mais ouais, c'est des feats à l'ancienne façon où j'étais petit et tout. Sinon, est-ce que tu peux nous faire un petit top 3 de tes rappeurs français préférés? Un petit top 3 de mes rappeurs français préférés? Ouais. Donc, en ce moment. On va parler des rappeurs du moment, hein. Bon, si je vais dire en premier, je vais mettre Gradure. En premier, je vais mettre Gradure. En deuxième, je vais mettre je l'écoute beaucoup, j'ai mis Niska. Et en troisième, je sais même pas. Bon. Franchement, troisième place, là, je sais même pas. Donc, ouais, c'est sûr, il y en a plein en même temps. T'as dit premier Gradure, ouais, Gradure c'est le mec qui marche en ce moment, c'est sûr. Ouais. Sinon, la même question, mais avec les rappeurs US. US? Ouais, ouais. Ah, gros, je suis pas trop US moi. J'écoute pas trop de US, mais vas-y. Les seuls sons que j'écoute qui viennent des States, on va dire, ils sont par Mick Mill. Par qui encore? Asap qui est très fort. Et Nico. Ouais. Et sinon, est-ce que toi, t'as des futurs projets, genre un EP ou une mixtape de prévu ou quelque chose comme ça? Non, pour l'instant, y'a rien de prévu. Peut-être plus tard, mais là, en ce moment, y'a rien de prévu. On fait des sons comme ça, on les pose comme ça, on les sort comme ça. Ok, mais pareil, même question pour les clips, y'a rien de prévu dans le bientôt. Si, y'aura un clip bientôt qui arrive, toujours avec mon gars Lossa. Ça arrive du jour, vous inquiétez même pas, donc voilà. Ok. Enfin, je peux en dire plus. Ok, et d'autres featuring peut-être prévus? Ouais, donc voilà, featuring toujours avec mon gars Lossa. Après, d'autres rappeurs, je sais pas, mais s'il y en a qui se proposent et qui sont bons, que j'aime bien tout ça, vas-y, je peux vous avertir qu'il y aura un featuring. Hein. Ok, sinon, toi, tu viens de trap, t'as dit, là-bas, il ouais. Y a La Fouine. Et t'en penses quoi de La Fouine? La Fouine, vas-y, il a déserté, hein, ici. Moi, c'est un rappeur que j'aime bien, tu vois. C'est un rappeur que j'aime bien et que j'ai pas ou repousser tout ça, non. On va dire, c'est une petite fierté à trappe, tu vois. Mais, il a déserté ici, je sais pas, il est parti faire quoi avec sa team BS là, mais bon, bref, à la base, moi j'aime bien ses sons et tout. J'aime bien ses sons, j'aime bien ce qu'il fait. Après, voilà, hein, les autres ils pensent ce qu'ils veulent, moi c'est ce que je pense. Voilà, s'il sort du lourd, je l'écouterai. S'il sort de la merde, basta. Ouais. Et sinon, y a une question, je la pose pas beaucoup dans les interviews. Parce que, je sais pas, ça fait, c'est dans les clashs. Mais toi, dans les clashs qu'il y a en ce moment, t'es plus Booba, La Fouine ou Rof? Et gros, je m'en fous.
passe là, je m'en fous parce que j'écoute les trois, tu vois. Je sais même pas quoi te répondre parce que les trois des classes là, j'en ai vraiment rien à foutre, j'écoute les trois. Si les trois ils font du lourd, j'écouterai les trois. Vas-y, c'est des rappeurs que j'ai écoutés, c'est des rappeurs qui m'ont influencé, c'est des rappeurs qui, voilà quoi. C'est des rappeurs qui m'ont donné envie de faire du rap, les trois je les aime bien, les trois j'écoute leur son, donc pour moi il n'y a pas de je prends pas partie de ce clash quoi. Ouais, c'est sûr, je suis même du même avis que toi, je dirais. Sinon, pour ceux qui veulent, en commentaire, mettez votre préféré, peut-être les abonnés, voir qu'on voit un peu qui est le préféré de qui. Sinon, comment dire, est-ce qu'il y a des rappeurs dans le rap français qui t'inspirent ? Qui m'inspirent ? Ouais, qui t'inspirent. Ah, bien sûr. Qui m'inspire, surtout Gradure, hein. Moment là, vas-y, il m'inspire beaucoup. Ouais, je l'écoute beaucoup et tout. Et voilà quoi. Après, il y a qui encore ? Toujours j'analyse aussi les textes de La Fouine ou Booba ou autre. Tu vois, parce que moi, j'écoute un peu de tout. J'écoute un peu de tout. Même un rappeur amateur comme ça qui n'est pas connu. S'il fait du lourd, franchement, je vais l'écouter tout ça. Je peux m'inspirer de tout et n'importe quoi, et après voilà, dans ma tête je fais le tri, et après sur la feuille j'écris ce qu'il y a à écrire, hein. Ouais, c'est sûr. Sinon, on va dire, s'il y a un seul rappeur dans le rap français avec qui tu devrais faire un feat, qui ce serait? Booba. Ouais, j'avoue, toi t'hésites pas, hein. Alors sinon, on a parlé de rap, tout ça, il y a la question bonus que je pose à la fin. La question c'est, quelle est ton équipe préférée au foot? Je sais pas trop. Elle est qui mon équipe préférée? Je suis pas trop foot moi. Ah ouais, d'accord. Je sais pas. Enfin, je regarde le foot, t'as vu? Mais bon. Si je dis mes équipes préférées, enfin mon équipe préférée là, va faire des polémiques et tout, vas-y, je veux pas parler. Ouais, c'est sûr. Ceux qui mes potes qui regarderont qui écouteront l'interview là, je vais pas parler. Ok, bon, on vous laisse deviner l'équipe peut-être. Sinon, c'est la fin de l'interview. Merci Serkov d'avoir participé. De rien, mon gars, de rien. Passez voir les clips de Serkov, tout ce qu'il fait. Je mets des liens dans la description de la vidéo pour tous ceux qui veulent voir ça. Évidemment, voilà. je mets des clips, tout ça. Enfin, je partage. Je tiens tout le monde au courant. Sur ce, à plus. Je suis lourd, Trap City, lourd, FLR, lourd, je prends du poids, lourd, kilogramme, kilogramme.